Bonjour. Si vous souhaitez ouvrir un service de garde en milieu familial, sachez que les familles de la MRC du Granit ont besoin de vous. Plusieurs incitatifs financiers sont à votre disposition pour vous aider à démarrer votre activité. Pour un montant maximum de 5 750 $, que ce soit pour l'aménagement de votre local, l'achat d'équipements, les frais de formation ou de publicité. Profitez de ces aides initiées par le ministère de la Famille et le comité garderie du Granit pour vous lancer et répondre aux besoins de nos jeunes familles. Je me suis découvert une vraie passion pour la petite enfance. J'aime les voir évoluer, j'aime les voir s'émerveiller au quotidien. Je trouve ça super intéressant de partager le quotidien des jeunes enfants, puis ils nous apportent beaucoup de reconnaissance. Pour moi, être accrédité, ça m'apporte une stabilité d'emploi, puis je trouve que c'est un gros point positif aussi pour les parents utilisateurs de mon milieu de garde parce qu'ils peuvent bénéficier de la contribution réduite. J'ai déménagé à Lac-de-Relais cet été, puisque la région de Lac-Mégantic m'attirait, les étoiles, la nature, les marches extérieures, prendre des randonnées en forêt avec les enfants. Les avantages d'être éducatrice à la maison, c'est qu'on est dans notre propre maison, dans nos affaires. On peut être nous-mêmes notre propre patron, gérer notre horaire. Le bureau coordonnateur a été là pour moi dès le début, en m'offrant du soutien pédagogique, en m'aidant pour les lois, les renseignements. Ce que je trouve génial avec ce métier-là, c'est vraiment que mes journées, c'est pas une charge de travail, c'est vraiment là, ça se passe dans le plaisir. Une qualité que ça prend pour être une bonne responsable de garde en milieu familial, ça serait vraiment d'être organisée, parce que c'est nous qui devons s'occuper des activités, des repas, de la routine des enfants. On a choisi les milieux familiales pour deux raisons principalement. C'était la grandeur des groupes qui étaient plus petits. On trouvait que la proximité avec les enfants allait être meilleure. En étant deux travailleurs autonomes, bien, on avait besoin d'une certaine flexibilité. C'est vraiment la proximité, les valeurs familiales, les plus petits groupes qui représentaient vraiment plus une maison qui est plus proche de la réalité. J'aime ça accueillir mes enfants le matin. Je les ai fait déjeuner. J'aime ça combler leurs besoins. L'amour que les enfants nous donnent, qu'ils nous partagent, je pense que c'est un peu comme un artiste qui vit, c'est mon public. Je chante à journée longue, je bouge à journée longue, fait que c'est ça, je les aime. Moi, ce que j'aime, c'est de leur faire vivre des expériences de vie stimulantes qu'ils amènent, dans le fond, à les amener un peu plus loin dans leur développement, lui faire vivre des choses que peut-être qu'à la maison, ils n'auraient pas la chance de vivre. Mon métier, je pense qu'il est essentiel. Je nous vois un peu comme des travailleurs de première ligne. Si on n'est pas là, nos municipalités puis nos entreprises, je ne sais pas ce qu'ils feraient.